Regardez tous au milieu, s'il vous plaît. Oui. Aïe. Sarkozy, Alici. Je fais la voix d'Adjoa. Adjoa. Faites-moi la voix d'Adjoa comme dans le film. Je l'ai produit. Oui. Eric Ebouani, oui. Comment ça va? Ça va bien. Comment tu te sens à quelques minutes de la projection du film? La projection, c'est Aya de Yokougo. Il faut demander Aya et à Marguerite Aboué. Issa Maïga, ce sont elles les stars. Moi, je suis un guest, donc je suis détendu. Tu es le papa. Je suis surtout très content que l'Afrique soit à Paris sur les Champs-Élysées. Yokougo est sur les Champs-Élysées. C'est chaud, c'est grave. Merci d'être venu si nombreux. Je suis fière d'avoir travaillé avec vous tous. Vous êtes incroyables, vous êtes bons. Et on a tous porté ce film, que ce soit les producteurs, que ce soit les dessinateurs. On a travaillé tous ensemble. Et puis moi, j'ai fait des allocos de temps en temps quand même. Vous les mettez. Non, mais les allocos là sont où ce soir? Non, pardon, hein. On est venu. Ce soir, il y a trop de monde là, c'est pas possible. Je fais la figure ça. Quand moi je vous paye d'Europe et Canada, je ne m'intéresse pas aux Parisiennes. Ah ben ça tombe bien. Pardon. Salut. Ça va? Ouais. Bien, hein? Ah ben merci. J'ai comme l'impression qu'ils étaient très contents. Enfin. Ouais, mais on a payé. Oui, c'est des cousins, des frères, des. C'est un faux public. Qui doit reconnaître l'enfant, c'est tout. Comme dit le proverbe, quiconque ne veut pas manger ne veut pas non plus aller à la selle. Je suis époustouflé, je suis étonné, je suis heureux, je suis comme un gamin. Voilà, comme un gamin qui voit un assemblage de jouets qu'il a fabriqués. Et voilà, un assemblage d'un grand jouet magnifique auquel il a participé. Et je trouve ça formidable. Collectif, vraiment, oui. Et tout ça, c'est grâce à Marguerite Aboué, ouais. À ta plume qui est top, qui est incisive, qui est authentique, qui est... Enfin, moi j'adore. Les dessins de Clément sont à croquer. Ouais, ça donne envie. Donc vous êtes déjà impatient pour la sortie du mois de juillet? Exactement, on va accompagner cette sortie pour une maximum. Mon ami, je vais garder ma fille et mon petit-fils chez moi. Moi, j'ai passé un merveilleux moment parce que c'est très drôle. Et puis, ça apporte un peu de chaleur et de gaieté et de bonne humeur dans la grisaille parisienne. Et c'est un grand moment de comédie, un grand moment de cinéma. Et en même temps, il y a une chose qui est phénoménale, c'est qu'il y a un soupçon de nostalgie, moi, qui ce film m'a ramené dans mon enfance au Cameroun. Et je trouve ça formidable. Ça fait de vous voir à l'écran, en fait. C'est génial. C'est génial. C'est toujours un peu impressionnant de se voir ou de s'entendre, mais c'est génial. Non, les filles, elles sont tellement vraies et juste dans leur manière de parler, se comporter. Non, c'est super drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, je faisais Koro, la maman d'une des amies de Aya. Voilà, une femme assez douce, tranquille. Tout ça, je trouvais que c'est très bien, niveau Marga. Et les voix aussi,
m'appelle Lamine Sanogo, voilà, je vis à Los Angeles, je suis ici en vacances à Paris. J'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé le concept. Surtout, j'ai plus ressenti de l'émotion en fait. Surtout la musique des années 70, 80, voilà, je suis un bébé, je dirais, des années 80. Mais j'ai revu Toto et Dago, les sons de Chalawana, les sons de Bembea Jazz ou Africando, Mamadou Doumbia, j'ai bien aimé. Le film, ça m'a ramené en enfance par moments et j'ai bien aimé toutes les intrigues et l'histoire de fond, les flashbacks dans les années 80. Ça m'a fait plaisir, ça fait du bien, et surtout pour ceux qui ont duré à Paris. Et voilà, c'est la nostalgie du pays. Quand on regarde, on est toujours content. Je pense qu'il devrait penser à sortir la musique en la BO assez rapidement. C'est un délice. C'est authentique et ça fait super plaisir. J'ai passé un excellent moment et je suis bien ri, c'est très drôle. Au niveau de la musique, moi je suis ivoirienne, donc je trouve qu'elle a vraiment réussi à restituer l'esprit de la Côte d'Ivoire, sa joie de vivre, voilà, toute la sociologie, la culture ivoirienne apparaît dans le dessin animé de l'époque.